Oui, je le veux. Oui, je le veux. Tout ne s'arrête pas qu'à cette phrase emblématique quand il s'agit de s'unir à vie. Car après la cérémonie de mariage, la salle de banquet, la robe, le cortège, vous allez cohabiter ensemble pour le meilleur et pour le pire, ah oui. Le mariage, le contrat qu'il faut bien lire avant de signer. C'est le thème de ce tout nouveau numéro de votre émission télé favorite, La Ronde des Femmes, Mousso Kabloé. Ça se passe maintenant sur TMA. À tout de suite. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de la Ronde des Femmes et encore une fois, merci de nous être aussi fidèles. Bonsoir. Fatima, comment vas-tu? Ça va et toi? Kan mewe. Kan fou. En fait, les femmes là qui voulaient être là, oui. La Wonder Woman. Voilà, il t'a foutu. Voilà. Bon, vous savez que je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec ma Wonder Woman, ma Femani, Kale Kale, Maroni, Fatima. Tu vas bien? Et ce vendredi. Voilà. Donc, il y a une folie, un flébra bel agile, 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 un vraiment. Donc, il y a la ronde des femmes qu'on a nommé Mousso Kabloé. Coucou, Bekabe Mousso Kunga, Okumari Befo, Nikene Konana. Une émission faite par les femmes pour les femmes. Bienvenue encore une fois et rebonsoir. C'est parti pour une autre soirée ensemble parce que je pense que voilà, donc on est entre nous, on essaie de passer une bonne soirée le vendredi ensemble. C'est très important, Fatima. Oui. Et on a des retours, il y a des familles qui nous attendent tous les vendredis parce qu'ils ont hâte de nous retrouver. Parce qu'on dégage de la bonne énergie, de la bonne humeur. C'est justement ça le but de l'émission. On est là pour enseigner, pour informer. Voilà. Donc, pour le thème, oui, je le veux. Et je l'ai dit à l'intro, tout ne se résume pas qu'à ce mot-là. Voilà. Ou à cette phrase-là, je vais dire. Parce qu'après le mariage, il y a beaucoup de choses. À la génération, on a Mokotamata, Jatemine, Wefedron, Dorivan, Mini, Maraji Ladrowa, Maraji Mondial, Kayman Famia. Mais ils ne réfléchissent pas après le mariage, Fatima. Ça, c'est important parce que, chi bararedon, n'est-ce pas? On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et pour ça, nous avons invité Aïcha Djakite, alias Tata Aïcha sur les réseaux sociaux. Elle est experte holistique en fertilité et en santé de la femme. Donc, fait nous sommes à Kenya Siraoula, nous sommes à Dinsoroku Geliaou, nous sommes à Ali, à l'égard de donc, holistique, Inza, elle est venue au plateau sans faire. Elle est aussi créatrice de contenu sur les réseaux, on la suit justement. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on l'a découverte, justement. Ouais. Donc, avec Conseil Chamandi Moussouma, avec Clara Banachamambe, Mounoumbe, en sorant c'est encore en tarot banasuku monundo on a tout colu nié faux après quoi prévention ni conseil ou diam c'est que banon éviter tu roumna on a nyonge na chama donc ame wole bla Aïcha Djakite mani yoro na rien soro kenefano. Aïcha, bismillah, qui ne connaît pas inalizerani, consomme, vraiment. N'y a fait trop, on a un thème, le mariage, le contrat qu'il faut bien lire avant de signer. Je pense que c'est un thème très important à aborder maintenant. C'est vrai. Surtout avec toutes ces histoires qui se passent sur les réseaux. Ah mais fin de mais faut le faire, on te fin de mais parce que le réseau m'a développé, mais c'est ça, fin de réseau. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème là. Donc il y aura une âme comme a dit Maïki qui a folie quand qui cadeau qui ne connaît pas. En tout cas merci beaucoup de l'invitation à Djarani. Même si amène un thème mouvement qui c'est un thème qui est tout aussi important que complexe. Tout à fait. Mais donc ok à la ca famille le coup de main dit on est là je vais ouvrir moi. D'accord donc tata Jacques il a espéré holistique il n'est pas femme mais je suppose qu'en flébro au fond de ma femme qu'est-ce qu'il sera holistique il n'est pas parce qu'il Annie est espère en fertilité et en santé de la femme on y conserve le vie en bout d'année ou année ou faut d'année là mais nous on est moins holistique une femme. En fait moi je suis médecin de formation donc j'ai une médecine qui est mal là et après j'ai immigré aux États-Unis et là-bas médecine courageuse de découvert parce que la médecine conventionnelle en fait
outil min bla surtout musso ka disposition là, ce n'est pas assez. Et ce bias là, c'est pas seulement en Afrique, hein, même aux États-Unis, on voit que les femmes souffrent beaucoup dans le monde médical. Donc par exemple, quand tu as une infection, on te donne des antibiotiques. Tu as un problème hormonal, on te donne des hormones. Et au fur et à mesure que ces produits là ont été utilisés pendant longtemps, on se rend compte des effets secondaires et on se rend compte des effets néfastes sur la santé de la femme. Donc depuis certaines années, il y a beaucoup de médecins dans le monde de la naturopathie et dans le monde de la médecine fonctionnelle qui se sont dit, écoutez, on ne peut plus continuer avec ça, il faut qu'on cherche à comprendre quelle est la source du problème. Et c'est ainsi que je me suis intéressée à cette branche de la médecine, et franchement, j'ai été beaucoup fascinée et surtout étonnée des résultats que nous observions à travers les protocoles et autres que nous assessons. Par exemple, une femme qui vient pour des infections, tu lui donnes des antibiotiques, mais si tu ne prends pas en considération les facteurs de stress qui sont dans sa vie, qui ont tendance à diminuer l'efficacité de son système immunitaire, eh bien, c'est comme si tu es en train de jeter du sel dans la mer. Tout à fait. Donc, c'est cette approche-là que nous avons. Beaucoup de personnes viennent pour nous, OK, j'ai tel problème. Et quand nous finissons, elles se disent, waouh, je n'ai jamais imaginé qu'en fait, cet aspect de ma vie, ou bien le fait que je mangeais ceci, ou bien le fait parce que je ne dormais pas assez, en fait, pouvait déclencher telle ou telle maladie. Exactement. D'accord. Donc, vous n'êtes pas seulement vos symptômes, OK? Quand on dit holistique, on prend en considération tous les aspects de votre vie. Comment vous dormez, comment vous mangez, comment est-ce que vous récupérez. L'hygiène de vie en général. Exactement. Wow. Donc c'est la médecine autrement, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu plus profond que la médecine vraiment conventionnelle, comme elle l'a dit. C'est une médecine qui va à la racine de l'être humain. Exactement. Vous disiez tantôt que ça soigne également les facteurs de stress, les facteurs de fatigue. Des fois, parce qu'il balabare, alors que antérieurement dans le corps, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il faut aller toucher le problème. Exactement. Et il faut reconnaître que, la plupart des vitamines et des minéraux que nous devons avoir viennent normalement par la nourriture. Mm-hmm. Mais la vérité est que la qualité de nourriture que nous avons aujourd'hui n'arrive pas à répondre à ces besoins-là, de par la présence des engrais, de par la présence des toxines, et etc. Chez certaines femmes, je me rappelle pour une cliente qui souffrait d'endométriose et qui était obligée de prendre des opioïdes pour sa douleur. Mais au bout de 3 semaines d'un protocole qu'on lui a remis, ses règles ont surprise. Elle disait que ça faisait plus de 10 ans. Que ses règles ne l'ont pas surpris, parce que depuis plus d'une semaine, elle avait des douleurs. Tout simplement parce qu'on lui a dit de ne plus utiliser des affaires en plastique dans les micro-ondes, d'utiliser des produits non toxiques et consorts. Et on lui a donné juste des suppléments, et avec ça, sa douleur a beaucoup diminué. Wow. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de facettes à la médecine qu'on connaît. Ce n'est pas pour bâcher la médecine conventionnelle, parce que la base, c'est ça. Mais il faut s'ouvrir à d'autres éventualités. Et aujourd'hui, surtout à l'Occident, c'est un monde qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. Et j'espère aussi qu'en Afrique aussi, nous allons commencer à nous pencher beaucoup plus sur cela. Surtout les femmes africaines, on en c'est a beaucoup important. Besoin. Oui, elle a raison, parce que même souvent, on pense qu'on est malade. Il y a des gens qui sont malades. Mais quand ils sont avec nous, ils sont avec nous. 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 C'est vrai que c'est important. Hein. Yeah. Voilà, donc notre hygiène de vie impacte beaucoup notre santé. Okay. Selon vous, en tant que femme, en tant que médecin, en tant que conseillère de vie, sur quelle base est-ce qu'on devrait choisir notre conjoint si on veut un mariage réussi, justement? Ça, c'est une très, très importante question, et en plus, elle est un peu difficile à répondre. Tout à fait. Parce que les critères sur lesquels nous devons nous baser pour choisir nos époux, nos conjoints, dépendent en fait de chacune de nous. Ce qui peut être important pour moi peut ne pas être forcément important. J'espère que vous êtes à l'aise en bambara. Si, si. D'accord, donc on va aller en bambara. Ok, pour le ça, là, je vais essayer en tout cas. Ça marche. D'accord. Donc, ni Mousso, ni Biche choisi Bi, comme... Il y a une vidéo là sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as choisi et que tu as choisi et que tu as choisi. Donc, est-ce que déjà même il y a une attirance physique qui va nous rendre? Parce que ça, c'est très, très important. Une amie m'a dit, sans vous couper la parole,
le mariage est tellement dur que si on n'aime pas la personne, on peut pas rester. Donc il faut une base d'amour. Exactement. Elle dit que c'est très important parce que si on n'est pas amoureux ou amoureuse de la personne, mm-hmm. ça sera vraiment très difficile avec des difficultés de rester. Exactement. Voilà. Donc il y a cet aspect-là à prendre en considération. Le deuxième aspect sur lequel moi je me base beaucoup, vous voyez qu'à force Moussou Nyaleka, tu as choisi ni qu'à ambition ni qu'à vision bêta. Parce que ça, c'est très, très, très important. Parce que ni est cheta, et bien fait à gauche, elle est fait à droite. Yoro qu'on est au Kumakacha. Troisième point, Malla, belle famille. En évoluera tchoukoutchou, en émancipera tchoukoutchou. Moi, je suis en train de faire des choses, ma belle famille, ma situation, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de parce que dans mes sociétés, la pression sociale et la vie des autres est importante. Même si c'est vrai dans certaines familles, c'est moins que d'autres, mais en tant que c'est un facteur qui peut casser ou qui peut permettre à un mariage de réussir. Et surtout, ne pas me faire beaucoup oublier. Nous ni chez Obi Kanyon do wati mina. À quand on a qu'on en sorti oublier, qu'à ta restaurant ni font là, mais qu'à discuter point stratégique du mariage ici. Il en faut par exemple amener à ta vie. Anya y furu do dablara à la veille du mariage parce que nous sommes contents de cabiner également Duba kono. À quoi maman dirait que et c'est à quelques jours du mariage. Ah amener à ta Duba kono. Ah il était à Duba kono. Donc c'est important d'aborder tous les aspects techniques en fait. Parce que tout ça c'est important. Combien d'enfants vous voulez avoir? C'est vrai que dans notre société, on a l'impression que Moussou, la femme n'a pas à son mot à dire quand il en vient au nombre d'enfants. Mais à la fin du jour, c'est elle qui porte les enfants. C'est ça. C'est très important de savoir quel est le nombre d'enfants que nous voulons faire parce que tout ça, ce sont des sujets qui peuvent apporter des conflits dans le couple. La gestion financière, parler d'argent est très tabou dans notre société. Donc tout ça, ce sont des aspects que nous devons aborder avec notre conjoint pour voir que nous avons la même vision. Parce que si vous ne le faites pas et que vous rentrez dans le mariage, c'est ce qui va amener beaucoup de frustration en tant que tel. Et surtout, savoir quel type d'homme que nous voulons parce que nous avons tous notre propre langage d'amour. Et ça, c'est très, très important. Morodo beino ibeta soro yo muso beba blai kuna ko muso chama beino ni wari dira madoro abi konta me muso do be ça ça ne les intéresse pas mais kadouye que tu prennes du temps pour elle qui ka moment de qualité passé nouye donc ika ki che choisi en fonction de ça mais e bembi no fait e mata o che choisi o debe nani frustration e abe fojo no debe nani perenda e kola et c'est là que les problèmes commencent. Donc, tout ça, ce sont des aspects à prendre en considération lorsque nous voulons choisir notre conjoint. Oui. Parfois, en Afrique, il y a même un code avant le mariage. Par exemple, le nombre d'enfants, là où vous voulez habiter, etc. Mais quand tu rentres dans le mariage, tu vas voir qu'à un moment donné, il va commencer à changer d'avis. Oubliez peut-être sur leurs parents, mais commencer à coder au dos, à conlo là. Et toi, tu ne vas plus pouvoir rattraper ça parce que tu es piégé. Et dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il faut que la femme elle fasse parce que dans certains cas le dialogue ne fonctionne pas. Tout à fait et bon ça c'est un cas par cas. Ça dépend de la dynamique du couple, ça dépend aussi de ta relation avec ta belle famille et ça dépend de ce que tu as à perdre dans cette histoire. Vous savez c'est pas comme si Ameka Moussou encourageait divorcer ni fin de la même mythe et thématique. Donc Moussou au décan a c'est qu'à courager sur qu'à c'est qu'à oublier qu'à joke ou yéré. Ima famille. Comme il y a fort chose mina société bef charmant fort en afuru tableau ni fond là ne bo de fort moi mon ben année fait conseil là ne bo de fou yengo il faut savoir choisir ses batailles moi ti quelque que ijoko bella mais fin de obé no ibolu laisser passer pour que tu aies assez de munitions le jour du grand combat donc là sera niveau d'homme il y aura baromite tema donc là tu fais sortir tes munitions. D'accord. Mais maintenant si on prend le cas de figure que Fatima vient de dénoncer ni ni c'est ben la fin de l'orica ayu sigira ukuma na ben la fin de l'orica mais t'as rien fait et somoro wal materi kuna ou ba environnement ou na na ka kuwere do akumulo la donc et ça commence à retourner mais ola ikanga kami ita fomi est-ce qu'il y a un endroit pour ça pour que ça ka foko no an benan de kan benkan de kuma ni nyonje mais aya fallait pour que pression ça ka check ha parce que ay kuma mi fo ara se ka tabala bon obé dépend ni ibe morodo abe malo ya moromi ma wal ma be moromi ka kuma dame ibe se ka ta ka na hakili ira nyona mais ni mi fo fene e de bi siki si san ka calculer OK ni komi fle ni nabe ka iba ama ni ne toranga décision ka qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner. Et ma famille, si c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que toi tu veux, eh bien, ce sera à toi de prendre une décision. Soit tu acceptes ou soit
tu tapes sur la table et tu es là, ça ne passe pas. Et advienne que pourra. Il m'a famille. Donc, n'est pas des fois qu'on m'appelle. Maintenant, si toi-même tu t'assois et tu réfléchis et que tu te dises, ok, c'est vrai que Ama Benika, mais réellement, Neniko Kera, ça ne va pas changer peut-être grand chose, ou bien pour la vision que j'ai, ça ne va pas changer grand chose. Ça, c'est autre chose. Parce que tu sais qu'à fond, même encore, si les choses ne passent pas dans le sens que tu veux, il faut divorcer. Mm-hmm. Le divorce, c'est quelque chose qui est délicat et il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. Mm-hmm. Mais ça, c'est une décision personnelle. Et comme je l'ai dit, ça dépend du contexte de la personne, ça dépend du support familial de la personne. Par exemple, ali che afi e ko nitike meni e re jigiate e ebese kata i bamba yoro mina akagele donc il veut toi renoncer exactement donc mon sentiment pour y retrouver au sourd de la mer abena ni tigela de onion che chama be couple konobi me oti ele do nyona chama be couple la bi tintu ni yonche, compassion tu ni yonche. Bon, fais ma journée boulou. Gatte mon cas. Vous n'avez pas fait de béchi. Exactement. C'est compliqué. C'est parce que en notre société là, mousso voit ma djati. Frou qu'on en a là. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a à voir même avec la religion. C'est quelque chose qui est culturel. Culturel. Ima famia. Donc, ni a djati, mais entre le massama ou na mamsou ou katana. Olu, elles avaient besoin de sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité maison et consort. Mais aujourd'hui, avec les femmes d'aujourd'hui... Bon, mais adressez-la. Donc, beaucoup. Hein, t'es fourou là, on m'adressez quoi là, au moins j'ai un chez moi. Exactement. Oui. Ah ouais, mais bien sûr. Bien j'ai un chez moi, adressez. Exactement. Ah, oh. Donc, c'est pourquoi, n'est pas d'effort, like, à quand on a quand on a quand parce que nika gele en moi ou bien parce que nité ben en moi kati ben muso wrama. C'est pour ça que moi j'écoute toutes les femmes au cas par cas. Muso do ben même aujourd'hui, ce qui les intéresse c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir à manger. Ali checka infidélité à tout tort. Mais tu vas voir que celles qui peuvent se permettre d'avoir leur propre toit, qui peuvent se nourrir d'elles-mêmes, dans la pyramide de Maslow, elles ont besoin d'autres choses. Elles ont d'autres attentes. Elles ont d'autres attentes. Et ma famille, donc évolution idée, nos hommes ont du mal à s'adapter. Parce que eux, ils veulent forcément que nous calquions le comportement de nos grands-mères, mais on n'est plus, dans le temps de on n'est plus dans ce même contexte-là. Et Rebecca Guélia, pourquoi? Parce qu'on est en train de les obliger à sortir de leur zone de confort. C'est vrai. On est en train de les obliger à perdre les privilèges qu'ils avaient. Parce que voilà, Nietzsche, Mana, c'est comme si c'est un dieu qui parlait et c'est tout. Vrai. Mais aujourd'hui, la femme est là, ok, ta voix est importante, la mienne aussi est importante. Bien sûr, parce que Wafo, ou du Sukulumbi, ou du Sukulumbi, ou du Sukulumbi, ou du Sukulumbi, exactement. Donc, c'est ce qui est en train de Rebecca Guélia. Elle est beaucoup au Rebecca en Achao Segebi parce qu'ils se disent que voilà, c'est, je suis en train de perdre mon autorité et qu'on sort. Non, mais comment donc il faut qu'on est féministe, qu'on est contre l'autorité des hommes. On n'est pas contre l'autorité des hommes, on est contre l'autorité abusive des hommes. Exactement, c'est la phrase même, l'autorité abusive. C'est ma famille, c'est contre l'autorité abusive des hommes. Donc il faut qu'en cas où des familles, car faut qu'en moque on y entre le massama ou comme Mousso Marachokomina, il sait qu'un Mousso ben maraté. Si tu veux être un baba commandant chez toi, il faut savoir aller choisir la femme qu'il te faut. Tu ne vas pas aller choisir l'enfant de quelqu'un qui a ses ambitions, qui a des projets, et puis maintenant tu vas venir la transformer. Exactement. Tu l'empêches de briller. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de jeunes femmes célibataires que moi j'ai vues sur les réseaux sociaux, très brillantes, un grand avenir, mais dès qu'elles se sont mariées, leur étoile s'est éteinte. Ouais, la lumière qu'elles avaient. Exactement. Donc elle était fou des dos. C'est vrai que le mariage est important. Le mariage est important surtout dans la société malienne. Mmh. Mais un mariage réussi pour moi, c'est un mariage qui te permet de t'épanouir. C'est ça. C'est un mariage qui te permet d'aller à la recherche de ton rêve. Ce n'est pas le rêve de toutes les femmes de que faire des enfants, de préparer. Non, celles que c'est leur rêve, fine. C'est leur choix, on accepte. Mmh. Mais celles que ça, ce n'est pas leur rêve, donnez-leur l'opportunité de s'épanouir. Ça, c'est important, Fatima. C'est très important. Merci. Ça me pousse à poser une question. Vas-y. Par rapport au mariage, toujours. Est-ce que, Biclena, le mariage, c'est pas plus une transaction commerciale? Genre, parce que, on me contrarie au mariage. Oui, jamais fait. Mariage d'été. Est-ce que le mariage, au final, c'est pas plus des trucs de façade qu'à faudra car ça regarde mariage Ikera. Est-ce que c'est des mariages d'amour? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que à meilleur homme n'a pas bidon, elle va la coupe contrat de mariage. Kouluyanou l'ouga fourou, le contrat d'Ikera.
parce qu'il y a les occidentaux là et nous on m'a dit ça la drôle nous on est arrivé ferme histoire de la raquette je sais pas si tu as suivi l'histoire du footballeur là Hakimi là qui n'a rien donné yo au taco au drapeau yo au fond mais mi vie au biais là au tête sur au mali là sur au mali là nous on est le fourbe ça il camino mais c'est africain mais ouais bien attaquer ma fenêtre c'est compliqué donc maintenant est-ce qu'avec ça changer c'est ça est-ce que ça peut changer sur transaction commerciale les deux est-ce que contrat de mariage du coup, il y a un ami qui faut est-ce que tiens nous je bon, voudrais connaître votre moi avis. Je ne pense pas que contrat de mariage du coup il me sait qu'à chose sur mal là moi pour moi le mariage ici c'est une transaction sociale avant et tout parce que mal là ambi musso flené quel que soit ton niveau de réussite quel que soit ton compte en banque et consort ni fte furula bi idjate rete hélas dans l'Afrique dans le Mali plus précisément ouais. Donc c'est ce qui pousse beaucoup de femmes à rentrer dans des relations juste pour vraiment couverture sociale exactement juste pour cette couverture sociale là effectivement et qu'est-ce qu'on est en train de faire comprendre à ces femmes qui sont ambitieuses qui ont peut-être déjà achevé beaucoup de choses oh ni kalana walmani waribiburu itichesora et je connais mes droits moraux genre on dirait que éducation est synonyme de alors que ça n'a rien à voir instruite c'est la femme la plus clairvoyante possible c'est juste un tableau dans et puis moi je suis désolée en société on a tous été élevés dans les familles en ce moment il y en a mon ragnaku quand du coup on doit en a donc du coup c'est parce qu'un kalana ou bien mais le retour quand faut la barre un kalana quoi anti chef là si donc fa de bon fa ou bon bolo on a rien fa ou bon bolo traité tu comme là donc en fait anti c'est que chef de royaume anti c'est que un malo c'est que dogali en burana là ou c'est que c'est pas possible mais sauf que suffisance ni mumana des airs de suffisance ni mumana ou est complexe ou est complexé les droits non c'est une pression psychologique avec un mec en a pour qu'on accepte n'importe qui. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Une femme qui a atteint un certain statut social, tu ne peux pas accepter de te marier avec n'importe qui. C'est vrai. Parce que mariage, il y a d'offres à Morocan. D'offres à Morocan, pas seulement financièrement, mais à quand a d'offres avec un statut. Quand il y a valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Il m'a famille. Donc, ou bien il faut Morocan pour que quand on est de la complexé, pour qu'on accepte n'importe qui et pour qu'eux, ils n'aient pas à faire d'efforts. Pour se retrouver au même niveau que ces femmes-là. Et puis, pour le même, il y a un enfant. Au Mali, ici, on prépare beaucoup plus les femmes au mariage que les hommes. Ça m'a posé une question même, peut-être aux téléspectateurs. Pourquoi on impose Nandona Koyonsola, par exemple? Pourquoi on impose que Mousso, du début jusqu'à la fin, Mousso Kato Koyonsola? Je comprends la tradition et tout, mais le gars, il a le droit de sortir et aller discuter avec ses potes. Fatima, au lieu de rendre lui un ladako, le coup de l'ouïe. Je sais, mais en fait, je veux dire, en tant que ma éducation, les gars, préparer l'homme et la femme. Pourquoi l'homme aussi atteste qu'il connaît cela pendant toute la durée de connaissance? Lui, il sort pas non plus. Il apprend à connaître sa femme. Il y aura une folie, mais tant que vous m'aurez. Donc, selon elle, c'est très important. Par exemple, à votre avis, est-ce qu'on doit imposer ce même rythme aux hommes aussi? Par exemple, dans la convention, l'homme et la femme, ma foi, on est également complémentaires. Explicitement, ça c'est culturel. Bon, je ne connais pas les raisons pour lesquelles on dit ci et ça, mais ne pas m'y déplorer, c'est l'éducation des garçons. Moi, je ne comprends pas des parents. C'est vrai, il y a des parents qui font ça. Ça n'a aucun sens. Et bah, faut que demso ti bo après 18h ou après fitri, mais et bah to dinga ka bo. Donc, sans le savoir, c'est nos parents qui sont en train de perpétrer le mauvais comportement des garçons. On leur fait comprendre que oui, toi, parce que tu es un homme, tu peux sortir comme tu veux. Tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Et vous vous attendiez à ce que ces personnes, quand ils se marient avec des femmes, et que
ils sortent et ils reviennent à 2h, 3h, 4h du matin. Donc, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Mara, Moussoumani, ben Mara, tu vois, na. Chef, n'est qu'un maratin. Effectivement. Chef, n'est qu'un maratin, Torio. En ce moment, tu es qu'à Ode Djatemine. Et puis, Biferenia, Fotchoumina, la plupart des jeunes aujourd'hui qui se marient ne sont même pas matures. Les gens confondent l'aisance financière, les gens confondent le fait que voilà, ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, au bout de 25 ans, tu as déjà un jeune qui travaille, qui a déjà sa voiture. On confond le fait que je suis suffisant financièrement et je suis prêt pour le mariage. Ils n'ont pas fini de s'amuser, ils n'ont pas fini même de construire leur propre personnalité. Et on leur demande d'être responsables de la vie de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Et il y a ça, c'est tellement important. Il y a une jara tellement qui est. Donc, même si il faut que je me sens au flé, il y a beaucoup de gens qui ont une éducation. Mais il y a des gens qui ont une éducation. Et en tant que doko, il y a des gens qui ont une éducation. Parce que, eh bien, date où il y a des gens depuis Fitri. Mais quand il y a des gens qui ont 2h du matin, 3h du matin. Depuis, il y a des gens qui ont une éducation. Il y a musofu abe boka auto ino jusqu'à une certaine heure et puis il faut qu'anga famille akafo ko c'est pas parce que fembe kumbi walma ko men barala okoro ko perela musofu kama musofu ba demander à tiki ka responsabilité émotionnelle responsabilité mentale ani leadership dosoro parce que muso chei ka leader de muso chei ka leader de donc tant que chei ma se ka osoro atisse ka chef de famille mai parce que Moromi yere matla aka personnalité re construire développer là au coco ka ke mo wereka e malam yi yoro koni okuma koni kacha donc ne be fait vraiment en ansinsi cheuka éducation ka en société là obé na chama ba de bo ameka mi e bibi na furu kona la Kumanyena, ouichere, walei, doga fo cheo fana ye. Parce que ni aye ali, e fe ombe gachaya, e agression, e violence ombe gachaya. Cheo be son ka, ke ou ba ke mounde kama. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de le faire. Exactement. Donc, mousso manga fo eke, mousso kan nisi, al niko ni chemi bo, al ni, ikani ali bolo korota. Ah, ok, en ce moment, parce que eux, ils ont le droit, mais la femme, non. Donc, il faut qu'à rafo ambere, non. La violence n'est pas prescrite en fait. Moi, je suis les mains à qui. Exactement. Mais là, on a une bonne idée. Quand il y a des qui bougent, qui gagne, ils bougent au dîner ou à ceux qui ne bougent pas. Allez, très bien, ça m'a. Nous sommes au deux mètres d'angle. Donc, il y a même des sorciers qui veulent dire n'attendez pas les alibis. Oui, oui, oui. C'est ni boulot ni boulot. Comment que tu vois? Oh, pamna. Aïe, tata Isha. Oh, ami, il a rendu les femmes de Koukoumkonanal ça, l'émission des femmes, l'émission la plus suivie sur la Terre, n'est-ce pas? L'émission est même suivie sur Mars, n'est-ce pas? La Lune aussi, hein. La Lune. L'autre jour, là, les astronautes, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Fatima, ils disent quoi, franchement? Non, son aïe, d'accord. Donc, la ronde des femmes, en tout cas, merci de nous suivre. C'est le moment parfum, Fatima. C'est ça. Vous savez qu'on est chez les femmes. Donc, encore, en fait, quand on parle de ronde des femmes, c'est aussi de l'éducation. L'éducation de la femme, la santé, la formation, son évolution, son épanouissement. Et aussi, lui apprendre à sentir bon. Voilà. Oh, okuna sangani. Passion parfaite, n'est-ce pas? On fait tout, doual ça. Hein? Nyam, clé, jolia, nyam, calo, jolia, mais quand il faut plateau, quoi. Et ma, c'est passion parfaite, elle sera t'éga parfaite, ça. Ayo, ma dja, iria, ma bema. Oh, t'es oligata. Voilà, donc parfum couro. Il y a un parfum couro. Il attend. Aïcha, est-ce qu'on casse ça? Genre, ça sent comment? On se met au cas différent. On se met au cas différent. Parce que parfum, on parfum, on a les parfums, mais on a chez ou ça, on a tapis ou ça. Tellement que, on se met au cas d'ado. Voilà. Donc, parce qu'on parfum, on a parfum de ma boule à bain. Trop pour aroma, seniora. On fait une gamme courado, une gamme croc, croc. Vraiment, Seigneur et señorita. Donc, allez faire la numérologie de Dore Balis en fait. Non, mais on va chiffre romain. Voilà, chiffre romain, là, ça en fait quoi. Donc, ni à 8. Imaï, ni 8. Numéro 8. Numéro 1. Fatima, qui est-ce que c'est? Numéro 3. Et quand tu le nom même c'est... Aroma Señora. Aroma Señora. Señora, donc on a on ouvre, on teste ensemble. Donc moi j'ai le numéro 8. Moi j'ai le 6. Moi j'ai le 1.
Et on va... Waouh, c'est beau ça. Waouh, c'est très beau. Regardez la présentation. Regardez dans le coffret comment ça se présente. Magnifique. C'est tellement joli. Waouh. Et bien, il y a un bijou. Il y a un bijou. Il y a un bijou. Il y a un content. Vraiment, je sais qu'elle est là. Oh, il y a un bijou. Il y a un bijou. Ah, tu es là. Il y a un bijou. Il veut prendre un bijou. Il veut prendre un Elle veut qu'on m'a marqué. Franchement, ni elle est cassée, numéro 1, elle est. Ni au fier, elle est bien à numéro 17. Bon, numéro 8, c'est un offre à tester. Tant bien, ça, tu veux tester. Hein. Okay. Wow. Et tu nous dis si ça sent bon ou pas. Dans la dofia, ça sent vraiment bon. Ça sent bon? Très bon. T'as déjà testé? Très, très bon. Non, je donne le numéro 1 pour Kégo Fenassi. D'accord. Voilà. Donc, Fatima, t'as fallu. Ah ouais, et la 3 d'elle. Et où d'elle? D'accord, donc numéro 3. Aroma Signora, c'est des eaux de parfum. Donc, parfait. Waouh. Le soumain qu'a dit. Waouh. Bonnet, numéro 3. Et... c'est tellement... On dirait un bijou, en fait. Ah, ouais, c'est ça, le packaging. Oh là là. En fait, c'est tellement beau. Joli. Yeah, c'est très beau. Aïe, d'un fiau, fanala. En fait, les soumains de Djaniko, il n'y a rien. Dis-moi, parfait, mais c'est gars, c'est romain. Les gars, c'est garant, tantôt. Parce que je pense qu'elle est pour ma famille. Ok, donc parfait, nous nous mettons sur. Parfum de nos maîtres, passion, parfumerie, boutique qu'on a là, ou bien trop gros bout, en face de l'énergie. Alors, on était une autre douleur, il y avait fiu. Nous, on était déjà ma guerre, hein. Nous, aussi, la numéro avec un défilé écran du gros. Téléphone t'a joué, il y a un livre qui va expliquer. Ou alors, il y avait parfum dans le dos, de Kadiba, ou bien, ou bien, à livrer. Parfum sur le bébé, il y a un livre. C'est le paradis de la bonne santé en un mot. Tout type de parfum. Et fini, parfum B, ou selon B, ou d'où B. Et puis parfait marqué beau mon te sur Afrique direct ma dou la fika voice ka ta sante wero la enseigne ça Fatima on passe en parfait que nous grand la faire na nous parfait be que ma ta parfait ça ça avec elle re d'accord allez va donc on te fait négat dimi on na ta passion parfumerie là n'est-ce pas voilà donc c'était ça voilà donc du coup on se retrouve dans la partie 2 à tout de suite. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver pour la deuxième partie de votre émission Obisimla, comme sous la blocconnana, émission Partiflana. Bien, un thème et mariage des cas. Le mariage, le contrat qu'il faut bien lire avant de signer. Voilà, donc Aïda, Kafo Mouyeko et mariage était. Qu'on est drôné, on est festivité ou casamé mondial d'où tout le tâche, on est animé, tout le tâche drôné, dîner drôné, fin ouais ou bien mariage qu'on a là donc Annie Oulebla, Aïcha, Aïchama, Aïcha Jacktema, allez médecin et d'où expert et d'où en santé de la femme, en fertilité c'est une conseillère de vie, une expert holistique. Voilà, holistique, on est fort, madame Nena, et franchement, fort, donc, allez, on a qu'un consommé. Donc, du coup, allez, on va en boulot à pour que Kuma et à la génération Moro fait, on est allé Moussou, parce que allez, quand elle est belle, mais Moussou, des mains, Moussou, Kenya, Trabolo, on est à Dinsoro, Sabatili, on a Chama, avec Kuma Chama, Moussou, elle est créatrice de contenu, à Karezo, TikTok, à Aïtao, abonné. Tata Isha, à toi, on est un réado, on est connana. Avec ma chambre, on plateau follow, on est un plateau flanaka, amna baroque doni, alisa, on a thème connana. Donc, c'est ça. Tata Isha, il y a une question, mais bon, on est. Et il me sait que, et conseil dit, en flébrant, mais surtout, en bigénération, mais démission, on est gringado. Furu la kasro uta don furu yere mieux kasro quand a préparé psychologiquement il a fort comme on le dit ici qu'est-ce qui doit être la priorité pour une jeune fille à l'ère où nous sommes dans le cadre du mariage nous les quand que en muso en a priorité mariage ou comme qu'on en a voilà ça en a fli voilà ça en a tap et furu mordoma kakla ganyera oreya tigila monte mindo kakla gajogo jugo era oui atigila faut qu'on assez dankari walo mamunu meka muso sur ni mwatina pour qu'on assez ka prévention qu'on assez ka nyere protéger et puis ça conseil du mari dama neka jate la o kon konna la kuma dora be se ka ki kono kibi chedo me furu ko fe avec un mot croyant encore donc pour que ka se ki protéger bi ne be mi fo muso nyere indépendance financière. Indépendance financière. Indépendance financière, je me demande. Indépendance financière. Je me demande. 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 Je me demande.
Parce que dormir clé, elle marque dormir flag. Ah. Et la mère est mousseuse, c'est important ce qu'elle dit. Trop important. Tata Aïcha, est experte, il est oui. Oui, important. Et pas parce que c'est bien mousseuse, mon nom, il y a trop sur le fou qu'on a là. Mais, ni tabi, il y a le boulot. Mais c'est qui est qui est tanga, fin de chamama. Mousseuse, chamambe, abus sexuels ou abus physiques, abus émotionnels et psychologiques ou subis. Parce que tu as tout là. Ni y a un chamambe, nan ko kame segi kata en fagaso, abe foko no ko segi kati chefe. C'est parce que anga chien foko, moi, de la parent d'obe, ou be kanyini ko débarrasse ilao. C'est vrai. Ebe ska segi, be segi da ni chargi de, parce que peut-être ibe ka segi ni den fla, den saba. Jomena ou chargi ta. Maintenant, a soro ibisi yere koro. Ibise gata sota yere. Ibise ki ide ta en charge. Ni ko kibita, an ni parent yu ou fasaja. Ni yifana yi fasaja, mi ka di ibise ko soro. Donne ka kuma folo emi, oyo tablo de. Ika se ka dorme kele yere ma ka ke fly. Akera bureau kono bara yo. Akera fere de yo. Akera fin sou fin fin ye. Mousso ere de man ki sigi bi ki buromada tjenga bolo fin ka. Sabula ne ere kumana ni mousso roba do ye. San bisaba ni ko furu la. Domina tchou roba ya deside kabou bla. Alo ka daraka buru a setu ye. Parce que uyo ka san bisaba nou ke furu la. S'occuper de la maison. Ka occuper de ou nifon na. Mais elles ne se sont jamais réalisées. O Mali la yano bi, tche mi be a mousso toros bla, terrain papier ka, o kadokore. Tche pe somi jo, ibe ta soro la plupart du temps, tche re toko baka. Ni furu sa bi ke domi, e ni kam mene kolonu de beta. Fosite ki ibulu. Alors que ni doya jate mine, san bi sabak konona la, tche e femi soro, akelenga soro teo, ebe hakeli sigi mi dama. Ebe tobili mounke, aye, kade ou la doli mi ke, o be de be, La fia, hakini la fia dale, o de ba le permette ale be bokene makata nyenyini. Donc ani ema apport financier ke a ka réussite la, mais apport émotionnel ani social mi eyo o fe. O an te ka se ko monétiser o. Et ni e problème ye Mali d'orontere, même dans les pays occidentaux, ni problème be no bi. Oroko son ye no ni furu sa bi ke muso e barake muso ma barake o. Sebe miye kat me mika, ou ka sorobit la. Mene ko, mouna ou fana teke mal la. Comment est-ce que c'est-il que la femme peut se sacrifier pendant des années et des années? Taklara a konon de oumbe ou lo, awe aketo, ko di Emma, ebise ke ou furu sa chuko, di ko al dorme ke le te don. Aye, ebise ke a furu sa ou, me ka fok, aklara a labla te, teke la oulo. Et puis, dou fana, il se permet al ou tu okupe de ouna. Mene boulo, saria bolo kisa do de kangata ulo parce que ni che ni ni muso idi sura na ofru sa problème ta la ofru sa furu sa mais pourquoi tu as tes responsabilités ta pour ga deux mois éducation ta en charge ba mana ko bien ni na c'est d'aller bien kalaka ou koro ga dune o tsega ere tsega yi anga tribunal ou konna la anga institution juridique ou konna na jomba nyima chaute ya et mi tika problème ni fo jifu ka juge ka bureau la ou erebe ka mi data kanso ala ke le no ronne ou ka jugu ni e che me mi daika Tchè ou te nyon la bla? Parce qu'il y a milliardaire tchè. Abe mousso frou. Ka klara frou sa. Mousso be klara ke kou domara la fille. Mais mousso fana noba la doni, je pense. Mali la non, ne a ye pension alimentaire. Pension alimentaire tchè aliba malabi. Ne a ye 40 000 francs par enfant. 40 000 francs par enfant. Ouya ye tchaman sorole. Sinon 20 000, 15 000. Pension alimentaire pour un enfant. Pour un enfant au Mali. Problème est mis institution juridique qui était allé au niébé farali mouni muso jogli mumbeka ke mo debeka na nae. On n'a pas d'institution juridique au Mali. On n'a aucune institution qui protège les droits de la femme. Donc on wani ali baga ou yere kafsani muso yebi malabi. Parce que ni borabi ka doka sara ka ali ika mobilita kata. Il va dire que oluma sentence ba osoro mi ba to che to bi mi mo ko be mo foke ko ni aka la ko i dan doro ibe san duru ke ko grâce présidentielle be ki ki be bon e be bon nera o mai me donc oui de ga san e kuma kuma che o de en fait c'est un formatage de la société qui est là et on a besoin qu'a mentalité o de changer tant que mentalité o ma changer mo so ka condition ça ne va jamais évoluer
Regardez ces dernières années, toutes les violences qu'on a vues, tous les décès qu'on a eus. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir une loi. Il n'y a pas de loi. Et puis on ne voit même pas de réaction. On a quand même un ministère de la femme, de l'enfant. Et ça devient normal. Et de la famille. Il n'y a même pas de aliga boka communiqué doké quoi. Ministère yere kanga si kokon ke sa ni acte sur nous kera au moins il faut une réaction al ni masaka bara à traiter au fond. Il faut qu'on sache au moins que comme raké oyaye oyame obna o djija ka solution na so o bébé muso mo soulager doni mais ali les réactions, même pas des... C'est cet état de fait là qui maintient beaucoup de femmes dans des relations abusives. Toxiques. Parce que ni c'était qui est en charge. Djiyate et tu sais raconter mon rocan. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes ibé d'où de que alaka kini nanyman di tchèn yere mansa aka adusukou la seye. C'est pourquoi je le dis encore, c'est très important. Mousso ka se ka fait. Et puis, faut mousso ka blakouna. Folo, dougoulo ko kunte mousso ka fey. Mousso, il y a quand on a ces cas de colonies, il y a il fait ces cas héritage passé de moi. C'est très important parce que tiens, maintenant, musso flam, musso ça va fourrer kaba. Héritage comme ma belle Tonya. Donc, il y a des cas où les cas tiens, c'est les cas donc à force que nous sommes des piliers de la société. Enfin, un jour, on est société là. À Djara Moroye, un jour, on est société là. À Madja Moroye, un jour, on est société là. Et puis, fait tiens, au cas donc à force, ni révolution, mais bien qu'à ou c'est là. Esclavage wati farafi ou dimina to abou ko foka esclavage aboli chomina colonialisme wati enfin yanga yere mayoro ata chomina l'oppression amène à la rébellion. Les femmes ont été trop opprimées dans notre société. Oroko son bilina des femmes comme nous, on n'a pas peur de s'asseoir et de coller de la société et de leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas normal. On n'est pas des êtres humains de deuxième zone. Deuxième zone. On a nos droits. On a nos devoirs. C'est vrai. Donc, société kanga des femmes, mais on est quand même au lasra. Et on va essayer quand on est un carignon. Comme si on devait faire comme ça ou l'amourti. Moi-même, je reçois tout le temps des menaces, je reçois tout le temps des injures sous mes contenus. Moi, il faut qu'on me fasse comme ça ou l'amourti des adossés à bosser. Mais c'est juste une question d'humanisme. Voilà, faire preuve d'humanisme. Quand les gens me demandent si je suis féministe, je leur dis je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Et puis c'est que dans la tchouro de kebe bo ka walide ni matoro, ko parce que ko sebe e. Malola c'est tout et elle est entière et ça. Même au défaut. La société entière ça. Ni ivoro ke ha, un tien faut pas vraiment. Ami wolole dab dan yoro ina nga ministère autorité ma ou ni ministère ma vraiment le ministère de la femme de l'enfant et de la famille ou kat madola même réaction fitindron pour qu'on sache que voilà communiquer de presse. Fatima, tu as raison, pour qu'on sache que au moins on a un ministère ça au bébé en dessous faradon. Le communiquer c'est bien. Mais vraiment, il est temps qu'il y ait des actions. Comment y arriver quand ils sont blanés là? Donc, attends, fais maison qu'on y est ni. Parce que ni avec la mission, ça ne veut faire maison mon rôle. On a dominé d'autres ni ma. Ah ouais, comment ni coacher à fond le mal. Donc quoi? On a une rubrique bon plan et drogue on y arrive. Donc, faut quand même tout un bon plan ou une attitude man ou d'ignorance. Parce que c'est vrai, à un fort, la ronde des femmes, c'est plus que tout ça en fait. Coachement de la ronde des femmes qu'on en a vraiment émission et n'allez-nous. Muso kamara muso demeka asisu du muso ma kamso blastranma oni bon plan du manu odoma aywa e restaurant fait maison be unale no malilano ube service traiteur ke restauration ke donc ni wagatina uga imaju be ka defile karana numero ni information be soro choko choko abebe nye fonyena donc la cuisinière Marie Wakim non abe c'est tout la trop cuisine libanaise cuisine du monde. T'oublies fasuko ka kadie ki moro bala ka negebila. Ina fo dumni negebila sanjo mna mna. Ibi se kouwole. Oubna dumni dima. I moro t'oublies la. Oui, service traiteur ke. Donc, lave dame ne à partir de 5000. Desserve dame ne à partir de 1500. Jus loko ou fonabe ou na asugu ya tchama. Ou louire fonabe dame ne à partir de 1000 francs. Donc, obe dumni duman ke. Ka desserve duman du ka boisson duman miyo ka. Songo damate me djala.
Kasoro on ma toro. On Fatima. Non, livre faux fino. Ni te se ka déplacer le. Ah, weleli kedro. Ah, oyero afo atofo. Ni de ga weleli kedro afo go ani mago be kizinier mari wakim ga dumni ni la. Ah, sna ni livre fi. Fin maison na o bani. Donc service traiteur aura événement ni mariage ni konyo ou ni dingunu ni cérémonie amana ke fin fin séminaire ou asuka kacha. Non mago be tublikala numa na de. Cuisinier numa mari wakim parce qu'elle est chef étoilé de. Awa ale be se ataina donc non mo be prestation numana ayi wole bla fe maison mo mo kono ka oka kungo jo obulu vraiment donc ore kundo voilà donc amina te fena mi parce que comment va commencer à amener ay dumni ko kuma fa ay parce que ko on gari la tuma dola ni dumni ti bulu koro ka dun ko ma me plateau kan se ka dumni nge plateau ka on ni ko on gani la tezara ni ale mi ala le bi ko ngo mo nya chendo wallahi parce que c'est vrai qu'il y a un avec boulou qu'on a dit Fatima ko kan nyaga re koni siribila koni sirulu ki katoka tezara nyaga wulu ki kwala ga be siri jugu tike ga biga ni chato ni toro ni tezara wuri ga dama ajugo be fa ajugo be fa yoro oh ya daine adu to bule jono kata tezara nyina akusa angon mena ntami me wule blani yoro ina tezara utesi makana tezara kalama ni dama una ka reseti mondial we taro biga ni na abita am no nyu fa no blondi baro ba khungulu laino a se alo la blondas. C'est très bon. Il y a un ami qui est là. Il y a un ami qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens, la Jara. Merci bien. D'accord. Donc, tu es doumane mini kelé c'est ça ami tra nera mission Fatima est-ce qu'il y a le dobi boulot là nga passé ni ni tata carrière qu'on a ni fait do bible mou ni yéré marqué par exemple il conseil do di parce que mso do beno fona des fois il conseil douma ou ta suite ni au cadeau carré là ou bien les cas les plus marquants que tu avais à traiter et bibi nani ou à retomber au fond de la bible aussi tu peux les partager avec les téléspectateurs ça serait... Oui, tout à fait. Très généralement, même Romika, histoire partagée sur le net, c'est les personnes qui m'ont donné leur accord. Même aussi, histoire partagée, m'a dit qu'à accorder. L'un des cas qui m'a le plus marqué, c'est celui d'une jeune fille que j'ai eu à assister. Où il y a du mariage forcé dans là. Et malgré le fait qu'elle a essayé de marcher, elle a vu que ça n'allait pas marcher et tout. Parce que c'est comme si parents ont affaire, wartiginima, basiquement. Et je vous assure que avec cette fille là, on y baraque sur 3 ans. Sur 3 ans, avant que Akaseka aille ressortir quoi. Parce que Akume, elle était dans un environnement très très dangereux. Et Kumadola, elle avait l'impression que Akume n'y n'aille pas. Akume yina aka vision na ka objectif ou ko donc akuma foni mari tata isha nini i contacte me fait quand hakili la di parce que problème me c'est ka tia mo roman tellement ki benyina yere ko tellement souci be tia ima i benyina ka objectif ni fongo donc c'est une jeune femme que j'ai assisté jusqu'à ce que akaseka boni furina
Pas parce que ne pas mourir de me divorcer ni fond là, mais à sa situation, elle était abusée physiquement, elle était abusée sexuellement par son mari. I mean, l'abus émotionnel et psychologique a commencé à la caler quoi. Donc à comment attendre une fois sur tour parce que war be chair boulot. Donc ni chair donc à écouter que mes mains doron chair betate doron casser ka drabana mobli walma ka dar. Non mais je te parle de millions chair comme mes dames quoi et la famille s'en foutait. Anya Timina Diafo Denis sera à bon Mali. Et aujourd'hui, elle mène sa vie en dehors du Mali. Aujourd'hui, elle est très, très épanouie. Ça, c'est l'une des choses dont je suis tellement fière. Parce que j'ai pu contribuer à son épanouissement aujourd'hui. Elle a pu refaire sa vie et tout. Donc, Oloukana, Nyorona, Nounou. Ame Mousso Tchama, conseille Doba Me, Dota Me. Bon, ame conseille Mounou Fene, dit Anta di Mouroma pour que Anye Mifo Kake. Parce que Benika histoire de dos, Benika dynamique de dos. C'est pour ça ne pas faire musso y rien yene, musso groupe ou kacha réseaux sociaux ou campi, conseil ou kacha. Mais ne pas faire yene, aye ako la jeni jine manjoni. C'est pas parce que niye ni ke ko onyana uma, ko ni eake kate korolo la se ima. Donc de faire très attention aux conseils qu'elles écoutent et de se rassurer que ni conseil imbécile qu'à appliquer au luka histoire la atena korolo se ima. Donc ne pas de fou, il y a tout le temps. Et puis quand ils sont venus, on essaye de comprendre les choses. Et puis il y a des balades. Ne conseille mais dis-moi, et puis c'est qu'à appliquer et qu'à situation là, tu vois du même. Alhamdulillah, tu as marié à qui? Où y a nos bois là? D'obé non? Où tu sais? Parce que ça demande beaucoup. De courage. Ça demande beaucoup de courage. Et ça demande beaucoup plus d'efforts souvent de pouvoir changer la donne. Parce que en musulmane d'obé non? Où y a baillé une situation là? Où y a tantôt une situation là? Donc, quelque part, elles savent que les situations sont mauvaises. C'est ce qu'elles connaissent. Donc, il est très souvent plus facile il y a une situation qui va d'or qu'il y a un changement courant d'eau. La peur même de l'inconnu empêche beaucoup de jeunes femmes de prendre des actions. Donc, ne pas conseil ou de dire « Moroma » et ne pas l'effort. Quelle que soit la situation, n'était-ce pas juger, n'était-ce pas la culpabiliser. Donc, je suis toujours ouverte. J'essaie de te comprendre là où tu es et je comprends aussi que tu ne sois pas prête aussi à aller de l'avant. Okay. D'accord, maintenant, merci beaucoup, Tatecha. Maintenant, Amana Kachoukouchou et Barabena Gélian, quand on l'a dit, il va se dire, il va se dire, il va essayer de faire des choses, mais il va se dire, il va se dire, il sera ou à qui vous avez d'ailleurs qu'à faire mais lui que au fond un cadeau bio ce qui est c'est que vous faites un effort en général le cas qui est marqué le plus c'est le stress souvent les mamans de ces jeunes filles qui m'appellent et pour me dans la ligue en sera fouillé donc ni ou y a y ou bah faut que oui il te quand la met tourne il ben il la met donc do ben un numéro sera ou ben voler ou ben dans la ligue et ben fait quand demso l'amour tient à kafouma à la kaketa à la kiketa à la kiketa et tout donc olu korolo be ansoro et puis nya fo chou na kuma dola cheo do be ndoya do be al menacé nga fe un chema mais bon dana te kala moko ni be koko kay ba kay dine ni nganya de la donc moi je ne suis pas parfaite et ne bo de fo beñere mais dana te kala ala te hakili ala te fin be partager de la même chose ne ma do jamais que j'allais me retrouver dans cette situation que j'allais être la tata Aïcha nationale ou même internationale que je suis. Donc, obéi à la kakeri, quoi. Donc, nebemi faudron, tant que nebemi faut, neba faut dire ni gagna de là. Je n'ai pas d'autre motif derrière la tête. Je ne cherche pas de reconnaissance ni rien du tout. Et que je dors en paix. C'est ce qui est le plus important pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Amta Guadala Fatima. Et voilà, Nironina, Amta et tout ce cuisine non nous est Camille le coup cuisiner ah donc anga guada mondial anga jangou les en fait bonjour bienvenue dans votre émission Inigua by Camille. Aujourd'hui nous allons faire le taboulé ensemble. Je vous propose ma petite recette très frais, vous allez adorer. Pour la réalisation d'un taboulé à 4 personnes, il nous faut 200 g de semoule de couscous, un gros oignon, concombre, sel, poivre, de l'huile d'olive, de tomates, persil plat et des feuilles de menthe. Et je rajoute l'équivalent d'eau bouillante dessus. Et je ferme hermétiquement pendant 15 minutes. Alors je découpe mes légumes en petits morceaux. Je commence par les concombres.
Je rajoute du sel et du poivre en même temps. D'accord, donc nous avons un peu de temps à voilà. Donc, nous allons continuer à l'émission qu'on a trouvée. Et Tata Isha, vraiment, Baro Jara, Baro Jara, c'est un peu de temps à faire. Nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire YouTube. Nous sommes en train de faire TMN TV, chaîne YouTube sans faire. Émission sommes en train de faire. Émission est diffusée en direct en Facebook fana sans faire nous TMN TV donc on va travailler réseaux sociaux sans faire brolo sera sans faire ni on va laje on va partager en au limana on ignore chez et mon mec là émission partagée ibalma ma à partager isseruma à partager idoronuma mon mogo beka ni kuma nuna mais c'est très important parce que face au jokorudo muso yi aya fo muso émission ni muso ka émission ni émission ni ronde fa muso ka blone do ambia wala saka muso de blasra ante ka muso blasra jo kan ante ka mogo shi pousser ka iga furu so be ka boy ka furu la non mais ni be kolodo do kon no be ni be gela do kon na ni furu sa de soyer ka fo ko ni furu sa te ati marché yana ka se fali ma ou be yana ka se brolou be agression physique ni banano ni blocaru ni nyexe boma. En fait a manga en ka se fo o yoroma donc jana ka soma. Il faut que iki yere nyini jani dan karga ki gara ma dia la donc ni yoro ina obe nyama vraiment obe emission en partage ko entourage la partage ko réseaux sociaux sans fait aya tiket ka ka blaga réseaux ka ko c'est vrai ko limano son akli la parce que a double nous kama an nafa yere yere wudi donc anga fuli be awi alisa ko partage ni ko ka recommandation ko message la an ba be reso an ba ka fa ko na ban suis parce que jamana ngono bi la ron les femmes to kleni be de la ron les femmes do parce que ça nous rend fiers quand il y a un frère qui nous a parlé à la Fatima ou bien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, avant, donc. Avant que tu aies dit Aïcha, un mot de fin d'amour. Avec moi, le fond et l'histoire précédente, quelle est la femme qui a marqué? Nous avons fait Arida, Maroura, la Krenkrené, la quoi. Et nous avons fait un waribat à Tikikon. Bibi, nous avons fait un fou, ni warite tchèque, ni tchète situation, ni manou, ni son fou tchèma. Ni à Fogo, à Karse, Wartikiri. Et puis, parents et amis, ils ont dit qu'ils ont un fou d'orodara, ils ont dit qu'ils ont un fou d'orodara. Donc, est-ce que Wari Ben Tchèque ou Sebe Tchèque est synonyme d'un fou tchèma? Est-ce que vous avez un fou d'orodara? En dame, vous avez un fou d'orodara de fin? Je veux dire, nous sommes tous les corolos de tchèma qui sont au corolos de l'eau. Nous avons des vidéos sur les réseaux. Ante tchè ou choisi ko nini anga vision bita, ante tchè ou choisi ko nini anga valeur ou bey kele, ame tchè choisi a pochi konota de nofè. Mais ni fene kozi e miye, ankor mousso de te tchien fo anye. O Mali la bi apparansi, Gessner, Sanou, Mobli, no bi bolo mal la no. Oni iPhone, ani iPhone. No bi bolo. Non, bibolo malano, il réussira. Mais on oublie que l'aspect matériel ne peut pas remplacer l'aspect émotionnel et même les interactions dans le couple. Donc, on m'a focusé au déca. Maintenant, non, Dona. Maintenant, on se retrouve avec le crapaud à la maison. Presse charmant. Presse charmant, mais il y a un crapaud. Avec un crapaud. Donc, il faut que, bon, au bébé, nani mouyenyo, au devant fougaria de l'eau. Parce qu'on me fait qu'à tani court-circuit de. Bi musomanu ti fe ka barake. Nere ni musomani chama be kuma de fille de 18 ans, 19 ans, ou yere ti fe ka ke tche mousou folo e, ou be ke tche mousou flana ni samana ou de. Pourquoi? Parce que ko la waribo loukou, la fia bo de la. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond qu'on a faire au niveau de nos plus jeunes sœurs. Parce que les femmes souvent se marient pour les mauvaises raisons. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, Kaira oula ka fo wari ni fe un kofe ne be muso chama ndo très belle darabana mobile ni fo mais nous you dabra ku ka problème fi ne mais avec comme ika du ko lo so ka do akolo quoi
Donc le mariage ne se résume pas à ces aspects-là. Et bien qu'à apparence, il faut que je ne m'en mette pas, mais il y a un vécu qu'on a, il y a un peu de beau vécu. C'est vrai. Il y a un peu de beau vécu, parce que ça, nous sommes dans le cas de la boutique. Nous sommes dans le cas de la boutique. Nous sommes dans le boutique, nous sommes dans le cas de la boutique, nous sommes dans le cas de la boutique. Ale era tado koni problème mais c'est quand même c'est ni soro c'est dadi qu'ale era dabali bana dem sen fitini be problème mon soro furu kono bibina ale era bo defo kokuma ko tle tle kura de bolé bewa elle ne comprend pas bon ni be muyé banka do kenyere la main qui demande reste toujours en bas. C'est sûr, il n'y a rien de mal à marier quelqu'un qui a les moyens. Mais à toi, attaque à Faraitaka. Non, Kera, quand tu te retrouves dans une situation qui ne t'arrange pas, Bodabi Sega qui y est. D'accord. Vraiment, merci. Merci. Beaucoup. Donc, avant qu'il y ait un mot de fin, il y a un mot est-ce qu'il y a un numéro de ou un numéro de fait qui il contactait, bon, peut-être qu'il y a un mandiga de télé, là, comme téléphone avec télé. Mais bon, peut-être qu'il y a un peu comme Mokodo, arrangé Mokodo, ou bien une émission, il l'a mis. Ah, ou bien il fait qu'il sort le téléphone. Mais il n'y a pas de blague, il n'y a pas de blague, le téléphone est déjà plein. Parce qu'il y a un plateau qui a un ou t'as raison, ou le goût dit que depuis l'émission, il y a un téléphone qui a un téléphone. Non, mais Mike, mais assistante qui a un numéro 10. C'est, ah, c'est pour cette raison que même moi, je dois blâmer mon numéro. Parce que Bara Tabulu, Bara, ça demande beaucoup de concentration et consort. Donc, tu sais qu'on permet qu'à tout téléphone, tu as un iPhone. Hein. Donc, après, c'est qu'on contacte sur WhatsApp. Alors, quand on voulait, il y a un message sur WhatsApp pour Kandoro. 223-78-90-89-86. 223-78-90-89-86. Okay. Donc, on a un message tout, you know, en bas au diable. D'accord. Donc, on y aura un homme qui me fait faire à suivre. Quand Aïcha suit et à TikTok sans fait, comme avec contenu, tu as un blabé de la dédicace en blanc. On peut se faire TikTok sans fait. Il y a un compte docteur D. Docteur D. D. Voilà. Donc, Oria D. D lettres, lettres D, A, B, C, D. Voilà, docteur D. Donc, on a raconté tout ça, on a été abonné. On a abonné Chamandama. On a fait parce qu'on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait. Donc, voilà. Donc, on a fait des Tata Aïcha, on a fait des choses, on a fait des choses. On a fait des choses, on a fait des choses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, franchement, je fais des choses. Quand on a fait des choses, vraiment, c'est une plateforme sur nous, caca. Parce que anga moro ne mi famia madien musoka problème yi ku ma foyoro bibi na triati adi balmayati moro rebestra ka ugu no fo moro nyene. Donc ni plateau sou vous permettez bébé yere soronina et metta sur une histoire mo partager moro ti mabese ki yere soronina et tout. Donc vraiment c'est vous pour vous encourager et vraiment et c'est une très très bonne initiative en dehors qui a ça à la 40 des femmes taillées. Amina Rabi, merci beaucoup. Donc Jani anga fousri émission na ame folie la c'est un sponsor ou un partenaire ma noé tezara teduma bati mi nyonté mali bé té mi ré nyonté afrique bé oni djéré bé nyonté parce que na fa chama bare bare la il sait qu'aller ouli qu'aller mi il sait qu'aller nyaka fait un roi sur le tikela nyuma do qui tout tezara qu'on kan koni banamseni corona banani nunu lutimi ne ibla forme la wati bébé ke geje geje. Donc okana nyina aita tezara sa be soro mali fam ben boutique nou la be soro europe o temene ko fera partenaire flana nou e passion parfum e suma dumanko koni ay o banai e rebe kan ay ko suma dumane kare wa ka soro na suma suma jara foto ou suma jara dara ou liu e re suma duma irido a bede be a bede be passion parfumerie. Donc ayo c'est ça c'est une quoi numéro bla la émission kono akou fana wole o te menen ko fe e mo fana be ka émission na je ko e entrepreneur ko produit be bolo be ko société de bibolo ki fe ki ka image associé la ronde ne femme na no e l'émission la plus suivie de la terre no e émission émission mo mo kala ka muso kala ka chou kala o re be ke an plateau kono ya. Donc ni be fa ka ka image associé na n'hésite surtout pas à nous contacter. On va vous laisser un numéro qui va défiler en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.